Our immediate role is to re-examine deeply, fundamentally, destructively, and we hope creatively, all the forms by which we live. Where can we start? Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defenses of peace must be constructed. In the course of war, millions of people died, and a bigger number bore indescribable suffering so that humanity can live in peace. They bequeathed us an inheritance of which we are the guardians. How do we manage this legacy which was entrusted to us? Les masses ne doivent pas former un troupeau, mais doivent former une agglomération d'individus qui, chacun en leur personnalité, ont le droit d'apprécier les conditions du monde et de se servir de leur instruction pour améliorer leurs conditions. Культура и война непримиримые враги, потому что война – это антикультура. Education is the great engine of personal development. It is through education that the daughter of a peasant can become a doctor, that the son of a mine worker can become the head of the mine, that a child of a farm worker can become the president of a great nation. Pienso que entre estas fluctuaciones gira nuestra época, entre la verdad que no nos satisface y una esperanza que aún no se concreta. El teatro ha roto la cáscara de un huevo de avestruz inmenso. Esperamos sentados los hombres, desde la primera hasta la última fila, que el ave nueva se eche a correr, a volar. Each one of our daily tasks is by itself a vital thread in weaving the cloth of dignity which every man should be able to wear. We work daily in many ways to extend to more and more persons their fundamental rights to education, to free information, to cultural, artistic, and scientific advancement. In short, to greater opportunity to share in a better life. Monsieur du Corbeau, que vous êtes joli. Que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix. J'ai le côté de faire moi. Bon, bon monsieur, apprenez que tout flatteur du tout dépend de celui qui l'écoute. Le mot théâtre est pour moi synonyme d'union.
fusion intime du cœur et du corps, de la tête et des muscles. Langage total, où la main est signe, où le torse danse et où la parole reste une des composantes de cet orchestre complet qu'est un être humain. Au moment où notre civilisation devine dans l'art une mystérieuse transcendance et l'un des moyens encore obscurs de son unité, au moment où elle rassemble les œuvres devenues fraternelles de tant de civilisations qui se haïrent ou s'ignorèrent, pour proposer l'action qui fait appel à tous les hommes contre tous les grands naufrages, il n'est qu'un acte sur lequel ne prévalent ni l'indifférence des constellations ni le murmure éternel des fleuves. C'est l'acte par lequel l'homme arrache quelque chose à la mort. Ceux qui refusent, ou qui admettent que l'on refuse, ou qui acceptent d'ignorer que l'on refuse à un enfant l'éducation à laquelle il pourrait prétendre pour assurer l'accomplissement personnel et social de ses aptitudes, à cause de son sexe, de sa race, de sa religion, de sa condition économique et sociale, ou plutôt de celle de ses parents, n'ont sans doute jamais affronté un regard d'enfant au moment où une douleur ou une injustice trouble sa pureté. Ou bien, ils sont devenus insensibles à cette chose affreuse. Mais alors, ils ont abdiqué leur propre humanité. Car cette candeur outragée, cette lumière qui se voile, cet élan qui se rétracte, c'est pour l'adulte qui en est le bourreau, ou le complice, ou même simplement le témoin passif, la nuit dans le monde et la mort dans son cœur. I'm sure everyone will agree that a piece of ground is very important to everyone. It is from the ground we get our clothes, it's from the ground we get our food, and it's from the ground we get our minerals to do all the things that we have today. Thus, a piece of ground is very important to everyone. Le destin, désormais planétaire du genre humain, est une réalité clé ignorée par l'enseignement. La connaissance des développements de l'ère planétaire et la reconnaissance de l'identité terrienne doivent devenir un des objets majeurs de l'éducation. La cultura solo puede contribuir al desarrollo si comienza por contribuir a la educación y si, a cambio, la educación favorece efectivamente la expansión de cada cual dentro de su propia cultura. Yo ni por ni
Saradu aime prendre soin de lui-même. Quand on le rencontre, il est toujours propre et ses habits aussi. Il se lave tous les jours. Il aide son père et sa mère à ranger la maison et à faire le ménage. Il fait attention à l'hygiène pour éviter les maladies. C'est pour cette raison que tous les habitants du village le respectent et l'écoutent. Comment ne pas dire le lien qu'il y a entre l'eau et l'éducation ? Combien de petites filles ne peuvent pas aller à l'école parce qu'il faut aller chercher de l'eau ? Combien de jeunes filles ne vont pas à l'école parce qu'il n'y a pas assez d'intimité dans leur collège ? Combien de femmes ne peuvent pas exercer d'autres activités productives parce que l'eau n'est pas accessible ? Les gouvernants se disent peut-être que, puisque les gens vivent, c'est qu'ils ont de l'eau. Ils ne se demandent pas si l'eau est souillée et si plusieurs millions d'enfants meurent tous les ans parce que l'eau est souillée. Comment imaginer que des hommes, des femmes et des enfants vivent dans la précarité, dépourvus du minimum vital, s'entassent dans des bidonvilles qui ont poussé comme des champignons sur des tas d'ordures déversées par la ville. Ce n'est pas de la fiction. À la bordure de certaines grandes villes du sud et même du nord, on assiste à ces spectacles insupportables. À la grande honte de tous les hommes et de toutes les femmes de la terre, puisque, ne l'oublions pas, nous constituons une famille humaine. Comme la pitié penchée à Delphes sur les entrailles de la terre, comme la sibylle tirant le savoir de la grotte obscure, notre monde pris de vertige abat les barrières pour déchiffrer la vie et la mort avec maintenant les pouvoirs gigantesques et inquiétants qu'il possède. La maîtrise de la génétique offre à l'homme le pouvoir non seulement de se remodeler lui-même, mais encore de recomposer, pour le meilleur et pour le pire, la relation de l'homme avec l'homme. Et il est du pouvoir de l'homme, précisément, d'éviter ce pire. Autour du massif du Mont-Perdu, il y a cette notion chez les populations concernées d'une réalité de territoire, de terroir favorable à une mise en valeur de leur paysage culturel. Alors dans le cas du Mont-Perdu, le paysage culturel, c'est l'histoire de la belle alliance entre l'homme et son milieu qui ont façonné des paysages, qui ont façonné une mémoire. Ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que malgré les rixes, malgré les bagarres entre pasteurs qui se disputaient, les bêtes égarées ou que sais-je, ces gens-là, tous les jours, se sont efforcés d'inventer, de réinventer la paix entre eux. Je ne vois pas pourquoi, pour une fois, on ne consacrerait pas un effort de paix plutôt qu'un effort de guerre ou quelque chose de dramatique dans l'histoire de l'homme.